Chaud. Combien de temps ça dure l'été? Environ 2 mois. Oh. Hein? 2 mois? Je pourrais jamais supporter ça, il fait trop chaud. Oh. Oh. Mais la canicule, elle ne durera pas 2 mois. La canicule? Qu'est-ce que c'est que ça, la canicule? C'est une période de grande chaleur durant l'été. Oh. Et on ne peut pas porter plainte contre ça. J'ai bien peur que non. Oh. 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 Si au moins il y avait un peu de vent. Oh. J'ai chaud. Un petit verre de limonade avec des glaçons te ferait plaisir, Fripp? Oh oui, oh oui, ça c'est une excellente idée, Pouille. J'y vais alors. Mais enfin, Pouille, qu'est-ce que tu fais là? Je vais lentement pour ne pas avoir chaud. Oh. Oh. Oh, je peux pas même lire. Il fait trop chaud. Oh. Ah. Oh oui, comme ça, c'est beaucoup mieux. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Oui. Veux-tu m'expliquer que... Ferme la porte! Mais voyons, Pouille, tu es fou, à la fin, sors de là! Hein? Non! Pouille, ne sois pas ridicule! Ferme la porte! Pouille, sors de là immédiatement! Non, il fait trop canicule dehors, alors moi, Pouille, je reste dans le frigo tant qu'il fera chaud! Écoute-moi, j'ai dit, c'est très dangereux, d'ailleurs, de rester comme ça dans le frigo, sans parler que tu risques d'attraper la grippe! Alors que je ne t'y reprenne plus! Faute maintenant, j'ai chaud. Pouille, tu sais quoi? Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Plutôt que de t'enfermer dans le frigo pour rester au frais, tu sais ce que nous allons faire? Oui, avoir chaud. Mais non! Je vais t'inventer un petit dispositif qui fera en sorte que l'air frais du frigo sorte du frigo et circule dans l'appartement. Comme ça, l'appartement restera bien au frais, et ce, durant toute la période de la canicule. Qu'est-ce que tu en dis? Ce sera très simple à réaliser. Il suffit de prendre le ventilateur, d'ajouter un bout de tuyau, comme ça, quelques vis, 2 ou 3 clous, et je te fabrique un super rafraîchisseur d'air. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, voici comment je procéderai. Le ventilateur est ici, de gauche à droite, et fait circuler l'air frais par le tuyau, tu vois, de haut en bas et de bas en haut. Mais si...
Allons, viens, Pouille. Viens m'aider à fabriquer mon super rafraîchisseur d'air. J'ai chaud, moi. Oh, Pouille, ne sois pas têtu. Tu n'allais quand même pas passer l'été dans le frigo. Oui. Pouille, viens m'aider. Tu vois, nous allons bloquer toutes les fenêtres et les portes pour empêcher l'air frais de sortir. Pouille, viens m'aider, tu auras moins chaud. Allez, grouille-toi. Oh. Voilà, je fais de l'exercice et j'ai chaud. C'est ta faute. Je suis sûr que ça marchera pas, moi, ton truc. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Oh. Tu verras bien que ça marchera. Alors, tu vois, c'est simple comme tout. Simple comme tout. Va chercher les outils. Les outils? Pouille, voici le moment de vérité. Je vais te montrer, moi, ce que j'en fais de la canicule. Nous allons pouvoir nous retrouver au mois de janvier ou pendant la fraîcheur du printemps. Et ce, en 2 secondes. Qu'est-ce que tu attends? J'en ai assez de caniculier, moi, Flip. Ah! Je t'explique le fonctionnement. C'est ça, explique, explique, explique. Bon, tout d'abord, toi, tu t'assieds là. Ici? C'est ça. Oh, très bien. C'est déjà moins chaud. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, mon petit pouille, c'est de pédaler. Je pédale. Ça marche, Fripp. Ça fait du bien, ce petit vent. Oh, tu es un génie, ma petite Fripp. Oui, je suis assez fière de moi. C'est fantastique. Mais non, Pouille, ne descends pas. Ah non? Mais non, si tu pédales plus, nous n'avons plus de vent. Oh, d'accord. Où avais-je la tête? Oh, ça, c'est une question que j'ai cessé de me poser depuis longtemps. Ah, oh, ben tu vois, quand tu pédales, ça active le rafraîchisseur d'air. Par contre, c'est quand nous avons du vent. J'entends un petit vent, Fripp. Ah, est-ce que ça n'est pas mieux comme ça? Oh oui, alors, est-ce que je commence à en avoir assez, moi, de caniculer? Ah, on se croirait en plein printemps! Oui, est-ce que tu pourrais pédaler un petit peu plus vite, s'il te plaît? Il ne fait pas encore assez frais. C'est vrai qu'il fait chaud tout d'un coup, hein? Oui, c'est ça. Comme ça, c'est parfait. C'est drôle, parce que plus ça se rafraîchit, et moins plus j'ai chaud. Mais dans ce cas, pédale plus vite, Pouille, et tu auras moins chaud. Tu crois? C'est le principe de base. Plus tu pédales, plus tu actives le rafraîchisseur d'air. Donc, par conséquent, plus nous avons d'air frais. Que je commence à être fatigué, moi, Fripp. Mais oui, mais si tu arrêtes, Pouille, tu vas avoir chaud en plus d'être fatigué. Bon, très bien. Oh, mais non, mais non, mais pas si fort, Pouille, pas si fort, je vais m'envoler. Oh. Je vais ralentir un peu, Fripp, parce que je commence à être vraiment fatigué, là. Mais oui, mais Pouille, ne ralentis pas trop, hein, sinon je vais avoir chaud. Oh. Oui, comme ça. Comme ça, Pouille, c'est parfait. Oh non, Fripp, je crois que je vais vraiment m'arrêter. Je comprends pas. Parce que plus l'appartement se rafraîchit, et moins plus j'ai chaud. Mais moi non plus, je comprends pas, Pouille. Pourtant, il fait frais. Mes joues et mon nez sont frais comme la rose. Alors pourquoi j'ai si chaud, moi? Mais je sais pas, Pouille. Allez, continue à pédaler. Oh. Oh. Tu crois que je devrais demander un brevet pour mon invention? Je pourrais...
pourrais peut-être gagner le grand prix des grandes inventions de tous les temps. Et aussi voir mon nom paraître dans l'annuaire du génie. Avec une très belle photo de moi, toute en couleur. Oh. Les auteurs de bandes dessinées du monde entier voudraient raconter mes aventures. À mes souhaits. Oh oui, ce serait vraiment bien. Et tu sais, mon petit pouille, malgré ma grande célébrité, je voudrais quand même être un petit peu ton ami. Tu vois, parfois le samedi, je... Mais voyons, qu'est-ce qui se passe ici, Pouillon Gel? Qu'est-ce qui se passe? Que moi, j'ai de plus en plus chaud, alors je pédale plus vite pour qu'il fasse plus frais. Mais enfin, Pouillon claque des dents. Crève de chaleur. Oh, mais enfin, Pouillon Gel! Oh, Pouille, ne va pas si vite, tu vas faire un court-circuit! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Fritz? Qu'y a-t-il? Mais Pouille, arrête! Tu vas détraquer mon rafraîchisseur d'air! Tu vas beaucoup trop vite, tu vois pas que tu fais neiger! C'est pourtant simple, Pouille. Il faut que tu pédales à une vitesse constante. Comme ça, il n'y a pas de changement brusque de... C'est que le problème, c'est que moi j'ai chaud et que plus j'ai chaud, mais plus je pédale vite. Mais le plus important, Pouille, ce n'est pas que l'appartement soit bien frais. Pouille, c'est à toi de jouer. Pouille, reviens ici. Mais qu'est-ce que tu vas encore faire là-dedans? Alors moi, je m'enferme. Pouille. Ferme la porte. Mais non, Pouille. Il faut quelqu'un pour faire fonctionner le rafraîchisseur d'air. Pas moi. Mais enfin, Pouille, si c'est pas toi qui pédale, qui va pédaler? Mais toi. Ah, mais non. Mais non, ça n'en est pas question. Bon, d'accord, il y a un problème avec mon rafraîchisseur d'air. C'est que, vois-tu, il ne peut que rafraîchir une seule personne à la fois. Oui, puisque l'autre doit pédaler. Mais tu vois, ce devrait être toi qui pédale, puisque c'est moi qui ai conçu la machine. Hein? Non, pas question. Oh, mais enfin, Pouille, tu peux pas me laisser toute seule dehors, il fait chaud. Moi, Fripp, je reste ici. Fait trop canicule à l'extérieur. Va pédaler. Je sais. Je vais aller avec toi dans le frigo. Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, y a pas de place pour deux. Mais c'est parce qu'il fait trop canicule dehors. Non, y a pas de place pour deux. S'il te plaît. Sors d'ici. Non. C'est mon frigo. Non, j'y vais pas. Sors d'ici. Non, laisse-moi entrer. Laisse-moi dans le frigo, s'il te plaît. Y a pas de place. Si, y a de la place. Sors d'ici. Non. Tu prends tout mon air. Ah, mais non, monsieur. Il fait chaud. Non. Non, je ne veux pas. Prends la place. Je sais, mais c'est ton pays.